Mineur. Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel avec un sur Commando. Battlefield avec un commando level 2. J'ai des plus forts, mais bon, je vais peut-être vous montrer avec un soldier level 12 avec un tir à 1 à 74. Mais bon, donc là je vais sur Suicide Skirmish en tuto, hein, donc c'est pas on fait pas une réelle partie. Mais bon, alors. On va voir. Donc, au début du tuto, donc ça recommence deux fois, c'est normal. Obligatoire. Obligatoirement, ça recommence deux fois. Donc, si vous avez ça, ne vous inquiétez pas. Faites pas une crise cardiaque, vous coupez pas les veines, c'est tout à fait normal. Ça commence. Donc 7, 6. 6, 5, 4, 3, 2. Dans les parties réelles, on voit le nom du serveur. Mais par exemple, je vous explique, regardez, là, c'est pour parler à sa team. Donc par exemple, Non, là de, c'est on va. all, à tout le monde. Oui, à tout le monde, mais aussi à sa team. Donc par exemple, là, regardez, je marque GG, ce qui veut dire good game, c'est en fin de partie. Et il marque current, parce que je suis pas encore. Donc là, je marche. Donc on utilise ZKSD pour avancer. Et les boutons. Des touches ici pour en faire, mais bon, donc regardez, ils vous demanderont d'abord, donc voilà, ils demandent des jeeps et tout, on doit aller remonter là-bas Donc suivre les fumigènes les rouges fumigènes rouges et les flèches. Donc il y a une flèche à côté de mon perso, qui montre par allez. où se trouve le fumigène. Utiliser les paramètres NVIDIA. Alors, Ensuite, n'ayez pas peur, et tu as ce augmenté ne le truc. sont que des pancartes. Donc il n'y aura pas de vrai perso à vous tirer dessus. Donc, Voilà, là. regardez, je vais vous montrer au sniper. Regardez, il y a des persos là. On n'a qu'à leur tirer dessus. Augmente le Ah. son. Retire. Quoi? Retire pour leur montrer. Ok. Donc, Là, il y a un ennemi. Donc ça fait un bruit assez bien, mais c'est l'arme de début. Donc par exemple, je peux faire des roi de kill dans ce jeu. On peut roi de killer quelqu'un. Donc Ça veut dire rouler dessus, par exemple, là il est l'écraser. là, je vais l'écraser. Enfin, j'espère. Boum. Voilà. La pancarte a volé. Et Mais il y a des balles hein? aux armes à feu. Mais ne vous inquiétez pas, chargeur infini. Donc là, il y a des balles. Attendez. Recharge, Donc recharge. regardez. Je peux recharger autant que je veux. Donc on voit le truc qui charge. On voit encore le truc qui charge. Donc, je tire une balle, on voit encore le truc qui charge. C'est à l'infini. Il n'y a aucun stop qui vous permet de dire. Donc ça, c'est une tour au sniper qui permet de. Donc aussi, il y a un petit couteau pour les commandos. Je vous montrerai les autres pour tuer. Donc, on donne des Très, petits coups. Très très, pratique. très puissant, Ouais. surtout. Donc ça, c'est des drapeaux. On doit en capturer dans tout le jeu. Ça permet de se ressusciter tout près, enfin sur le champ de bataille, quoi. Donc ressusciter sur le champ de bataille. Donc ça nous donne des trucs. Donc ça c'est un national. Donc il y a les royaux et les nationaux. Je suis plus souvent dans les nationaux, mais je fais un royal pour une fois, pour un peu changer. Donc là, regardez. Et voilà, il y a aussi des tanks. Regardez. Et on peut tirer sur les tanks et les détruire. Et Et voilà. on tourne avec la souris. Donc voilà, on tourne le truc, je détruis ça. Et c'est pas en un tir normalement, mais c'est juste parce C'est que c'est un passif. tuto, voilà. Ouais, sinon il faut 3-4 tirs. Parfois deux, mais ça dépend. Donc, je vais aller là-bas. Donc, il demande. Bah, parfois, ce qu'on peut faire, c'est qu'on stoppe le tank et qu'on prend ça. Le Jeep. La Jeep, qui est belle, moche. Ouais. Voilà. Et puis là, regardez ce qu'on peut tester. C'est de loin pour les snipers. On peut aussi tirer de près avec de loin avec les soldiers, mais c'est moins. C'est moins puissant. Ça fait moins de dégâts. Surtout que, donc, je vous explique, vous gagnez des XP quand vous enlevez de la vie à quelqu'un. Ou quand vous vous soignez. Donc, quand vous soignez quelqu'un ou que vous vous soignez. Donc, il y a la possibilité de se soigner aussi et de soigner les autres. Donc, c'est un. Regardez, je monte, voilà. Les On maps peut. sont grandes. En fait, le véhicule a de la vie. Vie. Donc, si on les tire dessus. Il peut exploser et donc vous aurez quelques problèmes. Ah, il y a aussi des avions. Donc, regardez, l'avion. Et n'oublions pas des DCA. On a des canons DCA, Mais on n'en a pas bâtons. ici. Attends. Il n'y en a pas là. Non, d'accord.
Alors, on monte dans l'avion et bien sûr, on a les mitrailleuses. Et il y a la vie et pas l'infini. Voilà. Et sauf celui-là, on n'a pas besoin de recharger, donc c'est rapide. Donc, je vais faire un petit vol. Voilà. Olé. Voilà, on est calme, on vole. On peut rafler les gens et les tuer avec. Et ceci, c'est la fin du tuto. Mais on va faire des autres vidéos avec des autres gens. Et on peut aussi avoir un accident. Attendez, je sais pas. Attends. 145, 118. Donc, je viens. Voilà, donc vous voyez, ça, la vie baisse. Points de vie. Et puis, et regardez, là, quand vous arrivez trop loin, ils disent que vous allez vous faire punir. Autrement dit, vous mourrez. Donc, on meurt et vous avez 12 secondes pour sortir du champ. Ou 15. Ouais. Ça dépend. Donc voilà, encore des ennemis un peu partout. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Comment sortir, hein, ça? Ouais, ça c'est donc... On appuie sur Escape et demande il y aura au bord du game et vous retournez sur le personnage du menu. Donc, au revoir.